Bonjour tout le monde, c'est Migix, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Wow! 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 Et on marche sur les murs! Y'a rien là-dedans, non. D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose? Bonsoir. D'accord, elle se marre toute seule. Ici, on a... toujours les mêmes fous. Où qu'on doit aller? Alors, voyage rapide. La foudre a frappé. Ah oui, effectivement. Grouillons-nous. J'arrive. Poussez-vous. Urgence. Oh punaise, j'ai eu peur, j'ai cru que ça s'ouvrait plus. J'arrive! Bon, ils sont au calme, hein. Oswin! Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Oui, j'ai vu. Ah bah tant mieux. Comment ça? Il y a beaucoup de fumée. De ta presse. Par ici. Je suis cédé. Venez bon, j'arrive. Voilà. On a eu un héros parmi nous. Les chevaux. Oh, je suis prêt à passer les ponts sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Il a disparu. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont fini, hein? Loin de vous. Menteur! Voilà! Il faut qu'on parle.
Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Quoi? Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien! Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Oui, c'est bon. Oui, bon, on lui fait confiance. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ, sans mentir cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. Ok. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Je vois souvent la mort de près. Ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Sedan, des sorcières brûlées à Maribor, mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Je compatis. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le.
Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Non, pas besoin des détails, quand même. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Un lien de sang unit cette créature à votre femme et à votre fille. Je peux l'utiliser pour les retrouver. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Elle est déjà morte. Levez la malédiction. Qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Allons-y. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Très bien. Prévenez vos gens. Ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Pas très rassurant. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. D'accord. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'enfant. Quel coin charmant. C'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu, ça donne quoi quand il Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite. Vous le calmez par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. C'était peut-être pas le meilleur choix. Dieu tout puissant. C'est vrai que ça n'a pas une super gueule, hein. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Mais merde! Je
l'odeur du couvent des Atsuma. Tout doux. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un Sénégal. Il veillera désormais sur votre maisonnée. Et m'aidera à retrouver votre famille. La porte qui s'ouvre automatiquement. Tout le monde est parti. Il faut faire vite. C'est bon. Voilà. Ça a marché. Voilà. Il s'est arrêté. Axi, ok. Doucement. Dodo. Vous avez choisi un nom. Non. Trouvez-en un. C'est important. C'est une fille. Quel nom lui en a donné? Anna Junior. Non, j'en sais rien. Oh punaise, elle a pris cher mon armure. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa, et fais de toi ma fille. Et maintenant, d'ici un jour, Déa sera devenue un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père.
Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler. Après ce qui s'est passé, je sais pas. Est-ce que le forgeron est revenu? Eh ouais, ils sont tous revenus les gens. Ils sont tous réapparus. Oh. Alors. En quoi puis-je vous aider? Madame. Votre accent. Montrez-moi vos articles. Qu'avez-vous à vendre? Ok. Non. Non, en fait. Elle peut que vendre, d'accord. Une petite partie de Gwent, donc je vais passer ça. Hein. A tout de suite. En quoi puis-je vous aider? Voilà, moi je voulais réparer mon armure. J'ai besoin d'une armure. Quoi? Démonter. Oh, d'accord, on peut démonter, c'est bien ça. Démonter. Ah, ok, donc on peut réparer ça, non? Ok, ça coûte bonbon. Attendez, on va regarder si on peut acheter des petits... Bon, très bien. On a plus de sous. Bon, on peut démonter des trucs, en fait. Genre une hache. Hache émoussée. Genre ça, on pourrait démonter. Alors, réparer, démonter. Ah, mais genre, ça coûte des sous de démonter, maintenant. Ok. Ouais, ok. Voilà. Au revoir. Ah oui, donc si vous voulez savoir la partie de Gwent, elle a joué avec des persos, voilà, et elle m'a littéralement battu, voilà. Alors, est-ce que je peux réparer? Est-ce que j'ai en fait des trucs pour réparer? Plastron, lui il est mort, moins 2. J'ai pas un kit de réparation. Non, très bien. Est-ce que j'ai un autre? Oui, juste Moïse. Ok. Bon bah on va mettre ça en attendant. Hein. Bien ça. What? Non. 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 Voilà celui-là. Hop. Ensuite, ben on peut méditer. Méditation, parfait. Ben, jusqu'à demain en fait. Voilà. YOLO. Salut. C'est bon? Ah oui, c'est bon. J'ai pas eu le petit. Voilà. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa.
guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Ok. Les gars, en mode, c'est quoi ça? Effectivement, je vois ça dans la rue, je serais inquiet, mais bon. Oh, putain de merde. L'autre, ça va, elle a pas trop l'air inquiet. Monte! Vas-y, monte! Ah, il m'a attendu. Genre, il s'est arrêté. Voilà. J'ai plus rien à mettre sous la dent. Moi. Où sommes-nous? Oh, oh, oh. Oula. Comme quoi ta parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Alors, ici on a des trucs à ramasser. Surchargé, parfait. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Ah ! C'est bon, on manquait de... On peut pas examiner ? Examiner ? Là, sûrement. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? On va voir, il y aura bien quelqu'un dans la maison, bien. Non, c'est condamné, hein. Puis si on fait... Si on fait ça? Non. Tu peux examiner ça? Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. On va suivre et puis après on va terminer. Hein. Il veut me montrer autre chose. Wow, wow, wow. C'est quoi cette saloperie? Des criquets. On va acheter quelque chose, est-ce qu'on peut? Lâcher, voilà. Ok. Ça, voilà. C'est quoi? Ah, on peut vendre ça aux marchands. Ok, on vendra ça aux marchands.
Ok. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est ce que j'ai lâché. Wouh, ça fait tout froid. Ça fait froid dans le dos. Il fait nuit, ça va mieux, hein. Imaginez la quête, elle se passe le jour. À minuit. Oh. Ah, quel con. Les charognards se sont réveillés. Voyons ça à peu près. À tes souhaits. Voilà, c'est l'igni que je voulais, moi. Fini de jouer. Prends garde. Ah non. Ah, c'est bon. Je ferais mieux d'examiner cette carcasse de cheval. Alors, hop. Voilà, bon, on va sauvegarder, on va terminer là-dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, allez, ciao tout le monde.